bien sûr, Milou, c'est Xuvius Cool, aujourd'hui on se retrouve pour une aventure sur Lego Marvel's Avengers. On s'est ici sur la plateforme. Oui, tu veux bien? Merci. La plateforme d'atterrissage donc. C'est pas de mal à veille, oui, on l'avait déjà vu ça. Allez, quand tu veux. Je sais que le Shield est très secret sur beaucoup de sujets. Allez. Mais je sais vraiment pas qui a eu l'idée de relier une des caméras de sécurité aux commandes des lumières des rampes. Parce que les gens sont cons, simplement. C'est la seule et unique raison, c'est parce que les gens sont débiles. Allez. Bravo. Tant que vous y êtes, qu'est-ce que vous pensez de la bannière d'accueil pour le Captain Rogers? Elle est chouette, non? Ouais, enfin... Faut peut-être pas déconner à un moment. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Déjà, on va tout casser. Oh, c'est pas possible! Vous pourriez éviter de renverser des barils d'essence sur le pont de l'héliporteur? Non. Faites attention, cette essence tâche beaucoup! À moins d'être habillé en noir, forcément. Bon, le problème, c'est qu'ici, il faut Captain America. Et le truc, c'est que notre petit... Monsieur ici ne sert pas à grand chose. Donc, comment est-ce qu'on va faire? C'est ça la question. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Quelle synchronisation. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Globalement. Parce que déjà, il faut le drapeau, logiquement. Et la question, c'est où se trouve ce drapeau? Oui, on sait que t'as les nerfs, c'est pas, on avait compris. Elle aussi a les nerfs, comme vous pouvez constater. On cache tout. Ok, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vois qu'on a un truc là-bas. Un truc qui pourrait être grave intéressant. Allez! Ouais, bon, je m'en fous un peu. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on a deux cibles. Voilà, easy, ma gueule. Donc là, je suppose qu'il va falloir se mettre à deux pour pouvoir monter, c'est ça? Voilà! Bon, à quoi sert ce machin? Voilà! Alors, qu'est-ce que c'est que ce mini-jeu? Ah! D'accord. Lol. Ouah, trop dur! Ah merde! Ah ouais, ça va faire descendre de façon. Bon sang, si je préviens pas le Queen Jet qui peut se poser, le directeur Fury sera forcément Furax. Et ce sera ma fête. Fais fuir. Je veux dire, c'est sûr. Nouvel officier de signalisation aérienne du Shield. À votre service. Enfin, si j'avais pas perdu les drapeaux de signalisation du Shield. Et le prochain Queen Jet qui va pas tarder à se poser. Ok, donc faut remonter. Bon, déjà, on va peut-être nettoyer la piste, hein, je pense. Si seulement j'avais une sorte de... J'ai pas un gadget spécial du Shield capable de localiser mes drapeaux, ce serait vraiment, vraiment utile. Wouah! Truc de ouf, godin, ce machin! Allez! Nettoie! Tu veux bien nettoyer ici, s'il te plaît? Ah là, c'est bien. En fait, faut juste mettre le véhicule en plein milieu, j'ai l'impression. Oh, merci! Ah là, ah, c'est fait. Le pont est nickel. Je savais pas qu'on pouvait se voir dans du béton.
Gros con, là. Ok, ça. Oh. Oh. En bas. À droite. Wouah. Oui. Oui. Ah, je casse tout. Ah, je casse tout. C'est nul. D'accord. C'est quoi ce bug? Regardez comment elle glisse. Ah, je glisse. Tiens, j'ai ton cadeau. Vous les avez. Ouf. Allez, c'est à moi de jouer. De signaler, plutôt. J'espère réussir à me souvenir de toute ma formation. Je vous ai dit que c'était mon premier jour. Captain Rogers. Madame. On vous attend sur le pont pour la localisation. À tout à l'heure. On a beaucoup parlé de votre découverte dans la glace. J'ai cru que Coulson allait s'évanouir. Docteur Banner. Ah, salut. Ils m'ont dit que vous viendriez. On dit que vous pouvez retrouver le cube. Et c'est tout ce qu'on dit sur moi? C'est tout ce qui m'importe. Attention, ici l'agent Hill. À tout le personnel, regagnez votre poste pour le décollage. Je répète, tout le personnel doit rentrer immédiatement. Messieurs, vous devriez rentrer. Ça va devenir irrespirable. Est-ce que c'est un sous-marin? Vraiment. Moi, dans une boîte en métal immergée et pressurisée. Messieurs, on a un résultat. Où? Stuttgart, Allemagne, 28 Königstrasse. Il ne se cache pas vraiment. Capitaine, à vous. Genoux devant moi. J'ai dit... à genoux. Pas question d'obéir à un sale petit mégalo. Regardez votre aîné, qu'il vous serve d'exemple. Le soldat. L'homme hors du temps. Moi, je suis hors du temps. Loki, lâchez votre arme et rendez-vous. Agent Romanov, je vous ai manqué. À toi de jouer. Votre soif de soumission. Yeah! Ça marche bien comme ça. C'est qui m'envoie des coups là? Ah d'accord, c'est lui.
Bon, moi je casse tout en attendant, ça vous dérange pas. La 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 la. Pourquoi je fais ça? C'est juste ce qui doit être fait. You. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, envoyez les Loki là! Oulala, qu'est-ce qu'il y a là? L'aveuglante liberté. Ah ouais! Ok. Pourquoi tous les mecs qui prennent le contrôle, ils sont en bleu, sérieux? Oups. Passe quoi là? Encore? Casse-toi le quiche! Et casse-toi Captain America, on a pas besoin de toi ici. Alors il est où là? Vous tomberez tous avant moi. Non! Jamais on tombera! T'es juste un beau gosse, t'es pas un acteur! What? D'où je suis mort? Ok, tu veux jouer ça? Qu'est-ce qu'il fait encore? Ah, oh, je déteste les ennemis qui se téléportent comme ça, là. Alors, quel est le vrai? À genoux. Pas aujourd'hui. Il a parlé? Pas un mot. Allez, ramenez-le. Il pète la forme. Vous êtes dynamique pour un vieux. Fury ne m'a pas parlé de vous. Oui. Il vous cache beaucoup de choses. Où est le Tesseract? Je te croyais mort. M'as-tu pleuré? Comme nous tous. Notre père. Ton père. Écoute-moi bien. J'écoute. Ça vous dépasse, homme de métal. S'il renonce au cube, je vous le laisse. En attendant, dégagez. Touriste. Ouah, y'a carrément un level qui est dédié à ça! C'est chaud quand même. Bon, d'abord, règle numéro 1 dans un ego, faut casser la végétation! Bon, laisse-moi deviner, y'a que Iron Man qui peut péter ça.
Allez, rayon laser, tout ça, tout ça. Excusez-moi, je casse tout, hein. C'est sérieux, je dois scanner un arbre, là. Mère, c'est elle que vous portâtes ces draperies. Hé, ça suffit. Genre Thor qui joue le planqué. Thor, c'est de la triche. Pas bien de casser la nature. Ok, bon, moi ça mérite d'être clair. Faut éteindre les feux. Faut éteindre les feux. Une fois qu'on a éteint les feux, on a tout. C'est quoi? Ok. Laissez-moi deviner, je dois utiliser Captain Américain pour dévier le tir. Ah mais vous êtes sérieux, c'est pas encore fini? Mais quel boss fight de ouf! C'est vrai que j'ai juste fait que spammer B, hein. Donc ça commence en haut. Genre Iron Man qui a besoin de ça, quoi. Ouh, et pendant ce temps-là, il y a Loki qui se la touche. Loki, il aime se la toucher. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, là? D'accord, mon perso s'est fait bumper, là. On envoie un signal pour appeler les copains! Ah, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que ça servait à quoi d'invoquer ça en fait? Ouais! Lol, ok. Depuis quand Iron Man a besoin de ça? Allez, hein. Oh ben Iron Man, hein. Bon ben bon voyage, hein. Chut.
Ça suffit! J'ignore vos intentions. Je suis venu mettre un terme au projet de Loki. Prouvez-le. Posez ce marteau. Que je pose ce marteau! C'est réglé? Clarifiez les choses. Si vous tentez de fuir, ou même rayer cette vitre. Une chute de 10 000 mètres dans un piège d'acier. Fourmi. Botte. Il est attachant, finalement. Thor, à quoi il joue? Il a une armée, les Chitauri. Il veut les mener contre les vôtres. Ils lui offriront la Terre en échange du Tesseract. Et il s'est laissé capturer? Oublions Loki, il est salement fêlé, il respire la maladie mentale. Vous étiez au courant de ça? Loki a perdu la raison, mais c'est mon frère. Il a été adopté. Prenez un week-end. Je vous amènerai à Portland. De l'iridium? Pourquoi ils ont besoin d'iridium au juste? Un stabilisateur. Je suis le seul à l'avoir lu? Sans rancune, tu dépotes. Bana. Hé hey! Vous êtes cinglé. Menacer la sécurité à bord n'a rien de drôle. Et régler les problèmes, Monsieur Stark. C'est pas ce que je fais? Pourquoi Fury ne nous a pas appelés avant? Que garde-t-il pour lui? Fury cache des choses? Je devrais enquêter quand mon décrypteur aura craqué leur fichier sécurisé. Je crois pas qu'on devrait fureter dans le dos du directeur Fury, Cap... Captain Rogers, monsieur. Ouh là là, qu'est-ce qu'il faut faire, là, exactement? Ah, une carotte. Du coup, je vais faire quoi là exactement? Pas me balader dans la zone, je vois pas trop ce que je dois faire. C'est un point de sauvegarde ça? Ok. Bon, moi c'est bien, il m'a dit que je dois aller, c'est déjà pas mal. Ah, Marc, je suis pas trop sûr. Qu'avez-vous fait à Barton? Votre monde est en jeu, et vous marchandez pour un homme. Vous êtes un monstre. Oh non. Vous l'avez fait venir. Alors, Banner, c'était ça. Ok, ça m'explique toujours pas ce que je dois faire. Il est marqué Hydra. Pourquoi il rigole comme un con? Ah, il y en a un là-haut. Bon sang. Je croyais vraiment qu'on avait trouvé la planque secrète des cartes Captain America de l'agent Coulson. Désolé, monsieur. Moi aussi, je suis fan. Tout vous amuse. Ok. Du coup... Où est-ce qu'il faut aller là? Parce que je comprends même pas à quoi ce radar sert en fait pour l'instant. On se balade, oui, ok, c'est cool. Il y a
un truc électrique ici, mais on a malheureusement pas Iron Man. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Ah, attendez, les boules. Non, les boules me disent d'aller là-bas. Non, elles me disent de revenir en arrière. Pourquoi? Je suis les boules, hein. Ah. Là-dedans. C'est une boîte très bizarre avec un gros verrou. Mais bon, ça fera pas le poids contre un bouclier de vibranium. L'espace d'un instant, j'ai bien cru qu'on avait trouvé un tas d'armes secrètes d'Hydra ou un truc dans le genre. Face des cheveux. Bonjour. Je suis Captain Moule America, comment allez-vous? Ah, par là on dirait. Ah, ça m'indique quelque chose. Si le shield plante quelque chose, alors je suis sûr à 100% que quoi que ce soit, c'est là-dedans. Peut-être. Ah, t'es déjà dans le coffre. Ah, elle était là, le coffre, j'avais pas vu. Cool. Y'a rien d'inquiétant là-dedans. C'est quoi? C'est un poulet? Avec qui il manque les cuisses? Ah. Allez. Hein? Un cadavre et un scorpion, d'accord. Pourquoi pas? Allez, en plus qu'un. La réponse s'arrêtera là. Au moins ils ont été sympas, ils ont mis objectifs. Enfin, j'espère que c'est l'objectif. Oh non, il me demande d'aller là-bas. J'espère que c'est là. Ils ont quand même pu mettre des flèches pour dire exactement le sens où il fallait aller, quoi. Ça aurait été un peu plus sympa, on va dire. Bon, du coup. Par là. Waouh! Il y a une autre de ces caisses verrouillées derrière cette porte. Ouais, la question c'est comment on l'ouvre la porte. Oh bah. Fusil ma gueule. Je me trompais, le monde n'a pas changé. C'est un casque? Non, c'est une arme. On va où maintenant? Hydra nous en veut! Hydra nous en veut encore! Elle en jette cette cellule, non? D'accord, je sais qu'il est peu probable que Banner se transforme en Hulk au pire moment de notre mission, mais on n'est jamais trop prudent. En tout cas, elle nous a été bien utile pour garder un certain dieu du mal à distance. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur la recherche du Tesseract sans être dérangés. Pas vrai? Que faites-vous, Monsieur Stark? Vous devez localiser le Tesseract. On est dessus, on est en train de balayer au scanner pour trouver sa signature. Et vous aurez votre cube. C'est quoi la phase 2? Phase 2, le shield produit des armes grâce au cube.
Vous étiez au courant de ça? Est-ce que vous accepteriez de vous éloigner d'ici, docteur? Loki vous manipule. Pourquoi le SHIELD se sert-il du Tesseract pour construire des armes de destruction massive? Transport 6650, bravo. Relayez les codes de confirmation. Qu'est-ce que vous rapportez? Des mercenaires avec un plan diabolique. À vous. Captain America sous surveillance. On l'est tous. C'est pas possible d'être à ce point naïf. Le SHIELD surveille les menaces potentielles. Un grand homme en armure. Sans elle, vous êtes quoi? Des génies, milliardaires, philanthropes. Vous vos champions. Dites donc, est-ce que nous on vient chez vous faire sauter des trucs? Hein? Posez ce sceptre. Navré, vous ne verrez pas mon numéro. Hein? C'est ce que cherche Loki. Ça va aller, on va s'arrêter ici, sans garder quitter. Voilà les loups, on va s'arrêter ici devant ce Bruce Banner qui est devenu Hulk pendant le film, et qui va tout péter sur son passage, et accessoirement, là, il va libérer Loki et tuer quelqu'un. Allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin de Kenan, ne lui pas avoir la attitude, comme d'habitude, je vous occupe, pour que la chanson vous conseille l'exclusion, je vous laisse, je fais un foot partout, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao bye, bouti bouti, et que l'amour du pilote bien soit avec vous. Peace!